Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une des actinidias que j'ai conservées. Donc, l'actinidia, c'est l'arbre qui fait les kiwis. Il y a d'autres vidéos disponibles sur la chaîne concernant ces arbres. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'hiver, il n'y a pas de végétation, donc on voit bien le tronc et la structure. Alors que quand il y a toute la végétation, on ne voit rien. En fait, les feuilles sont tellement grosses qu'on ne voit pas grand-chose, quoi. Donc là, on voit le tronc qui est un peu tortueux. Avec quelques excroissances, c'est l'emplacement des feuilles les années précédentes, et c'est à ce niveau-là que sortent les bourgeons par la suite. Donc là, il y a les bourgeons qui commencent à gonfler, et ils vont pas tarder à sortir. Donc celui-là, je l'ai taillé assez drastiquement parce que chacun des trois est monté à plus de 2 mètres à la fin de l'été. Donc j'ai pris le parti de les tailler sévèrement parce que bon, j'ai pas beaucoup de place, hein, c'est le plus simple. Et donc ici on voit que la base du tronc a fait du bois. Là il a 4 ans celui-là. Et petit à petit, voilà, en montant, c'est de moins en moins du bois. C'est tortueux, il y a des excroissances, c'est pas un tronc lisse, c'est intéressant. Voilà, et tout le haut c'est de la pousse de l'année dernière en fait. Je vais vous montrer la séparation de l'année de la pousse 2019, voilà, ici là. Tout ça, c'est tout le dessus, c'est du 2019 et avant, c'est les années antérieures. Et lorsque j'ai coupé ça drastiquement au mois de décembre, je crois, ou janvier, il a commencé à suinter un peu par le haut là. Et je vais vous montrer, on voit une goutte c'est comme du sucre liquide en fait, je pense que c'est de la sève. On va le voir par relief là en haut, par transparence, voilà. Et ça coule depuis, bon, peut-être pas décembre, mais depuis janvier, ça coule de temps en temps un petit peu, voilà. Donc je pense que la sève circule, il est en train de démarrer, et c'est pour ça que les bourgeons vont pas tarder à apparaître. Donc bah, c'est intéressant de filmer aussi, comme je disais pour la vigne, c'est intéressant de filmer hors saison de floraison et de feuillage, puisque comme ça on peut voir ce qui se passe sur le tronc et l'aspect du tronc, quoi. Voilà. À bientôt.